On a joué la deuxième journée de cette 32e édition de la CAN 2019 et on connaît déjà deux qualifiés pour les huitièmes de finale. L'Égypte, pays hôte, et le Nigeria, double vainqueur de cette compétition. Les Pharaons, et sans forcer leur talent, ont disposé de la République du Congo, 2-0. Et le Nigeria a réalisé le minimum vital face à la Guinée, 1-0. Une deuxième journée est déjà un premier choc entre deux sélections cataloguées parmi les favoris de cette édition. J'ai nommé l'Algérie et le Sénégal qui se sont illustrés tous les deux en gagnant 2-0 face au Kenya et face à la Tanzanie lors de leur premier match. L'enjeu est de taille pour les deux sélections, vaincre pour occuper la tête de ce groupe et maintenir une dynamique positive pour la suite de la compétition. Pour le compte du même groupe, la Tanzanie et le Kenya jouent leur survie dans cette grande messe du football africain. Une victoire pour garder intactes les chances d'une qualification, alors que la défaite sera synonyme d'élimination précoce. La journée va commencer par une rencontre inédite entre le Madagascar et le Burundi, deux nations dont c'est la première apparition parmi le quota du football africain.